La Gemara maintenant, elle a dit Davdal et Damoudbet. Hier, on a parlé de la halakhot de Avelout. Non, ça y est, on finit Avelout. On a parlé hier d'Avelout. Quel est le comportement exigé par un homme que sa femme, par exemple, elle fait Shiva? Ou le contraire? Alors, on a appris la halakha, on a vu que le Rama chez les Ashkenazes, ils sont plus cool que les Sfarades, parce qu'eux, ils sont mochalim. Mais Rabbi Yosef Karo, il est mahmir dessus. Maintenant, alors la Gemara, après, elle a répondu, elle a dit, quel rapport, qu'est-ce que tu m'amènes une preuve de avelout de l'homme avec sa femme et un Khatan Kala? Parce que dans la Gemara, ici, on a expliqué, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que un couple de jeunes mariés, que la Kala a perdu sa maman, ou le Khatan a perdu son papa, on fait le mariage, il fait ce qu'il a à faire, on enterre le mort, il fait les Sheva Brachot, et après il fait les 7 jours de deuil, et dans ces 14 jours, il n'a pas le droit d'avoir aucune relation avec sa femme. C'est ce qu'on a expliqué. Alors la Gemara elle dit, et pas rien que ça, il faut le garder pour ne pas qu'il s'isole avec elle. Alors la Gemara elle dit, et pourquoi le monsieur, il s'isole avec sa femme? Alors la Gemara elle dit, surtout jeune. Pas rien que ça, la Gemara donne encore un argument ici. Elle dit, l'homme avec sa femme, c'est très grave pour eux là à Velout. Mais celui-là, comme tu lui as autorisé plusieurs choses, tu lui as dit, faites ton mariage. L'homme dans un échama, il ne peut pas vivre avec une koula et en même temps tu es mahmir. Donc, c'est plus facile de transgresser. À la française, quoi, pas interdit tout. Voilà, donc tu interdis tout. Tu le mets. Non, tu interdis pas tout. Tu lui autorises une chose, mais l'autre chose, tu lui mets qui dort avec dans une maison qui n'est pas isolée. Ça veut dire la femme, elle dort avec d'autres femmes. Avec elle. C'est ce que la. Ou l'expression qui dort vit. Alors la Gemara, elle dit. Alors, elle dit, pour éviter de passer à temps avec ta femme, ben, tu vas dormir. Il n'a pas pris son traitement, la femme. Comme de ton mari. Ougdama, les rabbins. Les rabbins, les rabbins, les rabbins, les rabbins, les rabbins, les rabbins, les rabbins. Rabbashi, Yama. Rabbashi, le dernier sage du Talmud, Amar Mikam et Damit, Abeluta de Acha. La velouta des Alma, qu'est-ce que tu compares? Alors on est en bas à 10 lignes d'en bas, d'accord? Il a dit, Ravashi, il a dit, qu'est-ce que tu compares la velouta, le deuil normal, à un deuil du Khatan Kala? La velouta des Alma, Khamir, une velouta normale, elle est très grave. Alors la personne, velouta les Zouleba, la personne, il ne va pas enfreindre. Rien que déjà pour le respect des parents, l'homme, il ne va pas casser. Dehara. Par contre, c'est là qu'est 22 kilo barabanan, puisque les Chachamim, ils ont allégé là-dessus, puisqu'ils lui ont autorisé à se marier, pour ne pas qu'il perde tout son argent qu'il a investi dans la fête. À tous les îles ou les baies, il va. Tu vas autoriser une chose, deux choses, il va continuer. Maïkoula, la Gemara dit, quelle est la koula? Quelle koula? Tu dis, ekilou. Est-ce que c'est une koula ou c'est moutar minadine? Je vous donne un exemple. Un homme là, allez, nous, il vit en France, il perd un des parents. Ça va prendre 3 jours jusqu'au moment où ils vont affréter le corps en Israël. Il est honnête, n'est-ce pas? Il a le droit d'être avec sa femme 3 jours avant l'enterrement. Un homme, quand il est honnête, il n'a pas de Avelout. Le Tashmish Amitai, il a la source sur Avel, il n'est pas la source sur Onen. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, quand les gens m'appellent de France, hein, ils affrètent le corps, je dis, va chez le coiffeur, avant. Fais ce que tu as à faire, parce qu'après, il y a le deuil, il y a 30 jours. Bon, aller chez le coiffeur, alors, tout ça, oui, mais chez la femme, qu'est-ce qu'il a envie de... Elle est partie en mikvé, avant de partir... Le moment il sait, il va pas être à la maison. Il va pas être à la maison 10 jours. Il va pas être à la maison 10 jours. Il a envie d'être avec elle. Le moment qui déclenche, c'est quand on met la tête. Oh, il a fait.
Débat dans la Gemara, il y a deux avis de Tanaïm. Quand la Avelut, elle commence? Premier avis, quand il sort de la morgue, c'est-à-dire de la dernière destination pour l'enterrer. Ah, mais s'il reste à la morgue 3 jours. À la morgue, non, ben, il n'est pas sorti. Quand il sort, ça commence là. Il y a un avis qui dit quand il sort, et il y a un avis qui dit quand il est dans la tombe. C'est quoi Nafkamina là, la très intéressant. Ah, ben, il y a 10 minutes de différence. Non, il n'y a pas 10 minutes. Attends. Pourquoi 10 minutes? Des gens qui envoient le défunt, des gens qui envoient le défunt de France en Israël. Il y a une partie de la famille qui fait Shiva là-bas. Ils font quand le Shiva? Ils sortent de la morgue de France. Quand ils sortent de la morgue de France. Et pourquoi pas à partir du moment de parce qu'il est sorti de chez eux, ça y est, il est sorti de chez eux de la ville. Ça, c'est la halakha dans Shulchan Aruch. Oui. Ah, c'est Shulchan Aruch, ça, la sortie de la morgue. Oui. Et en Sovéli, c'est plus facile en Sovéli. La soeur de mon père, elle était décédée. Elle a laissé un testament qu'elle voulait être enterrée à Nice dans un truc. Bon, chez Michemont. Maintenant, on va la rapatrier, non? C'est-à-dire que tout le cimetière, c'est des goyim. Mais comme elle avait son ami qui était enterré là-bas, un juif, il a adoré le paysage, il a décidé. Tu te rappelles? Château. Oui, là-bas. Bon. Le château, là-bas? Non. Non, il connaît le cimetière. C'est un truc perpète des olivettes. Très beau, très très beau. Le château, c'est beau aussi, mais c'est en hauteur, un peu comme ça. Oui, en hauteur. Le château, c'est en hauteur. Il a des terres d'ici pour les là-bas? Non, elle est morte à Paris. Et elle a demandé d'être... Ça a pris des jours jusqu'au moment où il l'a rapatrié à Nice, parce que le cimetière là-bas, il est fermé. Tu peux appeler que 2 jours. Donc, tout a traîné. 4 jours, elle est restée comme ça dans une. Elle n'aurait pas fait, elle ne peut rien faire. Alors, ils ont fait la Tahara. Du moment où ils ont fait la Tahara, mon père, il a commencé les Shiva ici avant l'enterrement. Il va faire 10 jours, 11 jours de Shiva. Je vois dans l'origine. Du moment où elle est sortie d'une destination, ça commence là avec l'autre. Après, là-bas, il n'y avait même pas Minyan là-bas. On est tenu de respecter la volonté de... Non, mais on a mais ma cousine qui était sa tutelle, pas du tout, elle n'est pas religieuse du tout. Elle a dit, moi je réalise la volonté de ma tante. Il n'y a rien à faire. Alors après, elle a dit, moi je l'enterre, après vous faites ce que vous voulez. Elle a demandé d'être enterrée, après vous allez la rapatrier. Moi, je réalise ce qu'elle m'a dit, je fais. On n'est pas tenu. Voulait... On a eu comme ça une starbée qui voulait brûler. Oui, mais d'accord. Quand elle avait ma cousine qui n'est pas du tout religieuse, qui est mariée avec un goy, qui veut honorer sa tante, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, ma tante, elle a dit son désir, c'était là-bas. Je fais ce qu'elle m'a demandé. Elle a dit, moi, elle m'a donné confiance. Elle m'a dit. Il faut que tu mettes en truc le testament. Moi, elle m'a confié une mission, je la fais. Après, débrouillez-vous, ce que vous voulez, vous faites. Moi, elle a raison quelque part. Tishma, ils ont mis autour une barrière en fer. Ils ont mis une barrière en fer. Séparée quand même, elle était séparée du reste. À faire une séparation. Elle était mariée avec un monsieur, il s'appelait monsieur Mandela. De Nice, un juif très assimilé. Bon, apparemment, il n'avait pas de kécher avec ses enfants. Et il a voulu être enterré là-bas. Très grand universitaire. Très grand universitaire. Il a écrit 40 livres en psychanalyse, etc. Mais. Ouais, enfin, ouais. Elle était là-bas. Il n'y a pas de plus. Parce que moi, mon père, quand j'ai voulu l'enterrer, on l'a enterré chez les juifs. Il passe à un goy. On a écrit à Goldman à l'époque, on a posé la question, j'ai appelé Laurent Mordechai. Qu'est-ce qu'il a dit de mettre une barrière? Et Laurent Mordechai, il a où les goyim et les juifs pour les mettre ensemble. Et donc on a mis mon père chez les juifs, dans le carré juif. Mais il a dit avec une barrière, non? Pas du tout, pas de barrière. Il est à côté d'un Cohen et de mon beau-père d'ailleurs. Et si c'était en Israël, c'est assourd. Mais en Khoutz Laretz, Laurent Mordechai, il l'a dit à moi. Il m'a dit, il n'y a pas de. C'est un ridou, ça, c'est intéressant. On a mis mon père avec les juifs. Il n'y a pas de séparation entre les juifs et les goyim. Bon, mais non, mais ils l'ont fait juste pour qu'il n'y ait pas de croix là. C'est vrai, il a raison. Au Père Lachaise, par exemple, quand vous allez au Père Lachaise. Mon père, il a Père Lachaise. Il faut voir les juifs et les goyim mélangés. Hein. Les mélangés, je te dis. Qu'est-ce qu'ils ont mis au Venezuela, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de différenciation entre. Au Venezuela, c'est pas comme ça. Il y a une parcelle spéciale pour les juifs dans le cimetière. Tout ça, c'était.
Mais non, mon vrai nom, c'est Bruno Angelo Longordo. Mais je te jure, c'est mon frère, le rabbin, là, il m'a embrouillé, il m'a dit on change de nom, c'est Assour. Ah bon, non. Non, tout ça à la fin, c'était pas. Non, non. Non. J'ai dit, ne fais pas rentrer les histoires familiales. C'est mon frère, ça y est, ça y est. J'ai dit le fils de ma mère, ne me chauffe pas. Le fils de ma mère. Non, je n'ai pas de la journana, c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit. Mais je n'ai pas fait de la journana. Non, non, mais j'en ai. Mais qui est-ce qui dit qu'à Beloud, ça commence. Alors, il a fait. Oh, alors la Gemara, elle dit, il a fait. Alors la Gemara, tout ça c'était pour vous expliquer chez Itzemi Petachabait, de quand la Avelut elle commence. Alors la Gemara elle dit, j'ai pas compris, la Gemara elle dit, pourquoi tu dis que Chachamim ils ont allégé? Ils n'ont pas allégé, la Avelut elle a pas commencé, il a le droit. Si on a décidé de ne pas enterrer le père, il a le droit. Au niveau de la Lacha, un père il veut être brûlé, on le brûle. Non, ça non, parce que il est pas testament, il dit je veux être brûlé. Il est pas Mahamin de Triat HaMetim, quand il veut se brûler. Ça... Est-ce qu'on le brûle ou pas d'après la Lacha? Si demain. Non, on n'écoute pas les morts. Est-ce qu'il y a un kibou d'Aven? Non, il fait une Avera. C'est une Avera Gmoura. C'est pour Game Betray. Ça veut dire quand quelqu'un il fait ça. Quoique. Il faut aller jusqu'au bout du kibou d'Aven. Il te demande. C'est une vraie question. Ou alors, Kibbutz Abraham va me faire la Haïch Shabbat. Non, vous savez que d'après la halakha, un homme qui a demandé à se faire incinéré, et il a été incinéré, il n'y a pas de chiffre dessus. Incinéré, il n'y a pas de chiffre. Non, ça c'est sympa ça. Il n'y a pas de chiffre. Ben, il n'y a pas de chiffre. Ça veut tout dire. Il n'y a pas de chiffre. Ça veut dire suicide. Bien sûr, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a Shiva en cachet. On fait pas pour ne pas vexer la famille, pour le caveau de la famille. Mais il n'y a pas de Shiva. Aussi, un homme qui a pris sa vie, Minadin, il n'y a pas de Shiva. On fait Kaddish pour lui. Même quelqu'un qui s'est fait incinérer, on fait Kaddish pour lui, pour quand même qu'il trouve une. Après tous ces dinim en haut, qu'il trouve un repos. Mais il n'y a pas de chiffre. Alors, mais disons le papa de quelqu'un qui n'est pas religieux, c'est de rien du tout, il dit je veux me faire assigner. Et son fils qui connaît. Dans un testament. Très compliqué. Juridiquement, je pense. Donc, s'il y a un gros héritage et que tu perds l'héritage, tu n'en payes pas. Non, après, si tu ne payes pas, si tu payes pas l'incinération, donc ça se verra pas. Le procureur ne se mêle pas en France. Le procureur, il ne se mêle pas dans la loi. Ils te disent, si la famille, elle tient à faire, ils disent, la manière d'enterrer, la loi française, elle dit que la manière d'enterrer, c'est la famille aussi. Elle a son mot à dire. Ah oui. Oui. Ah ben voilà. Non, mais sauf si c'est un testament notarié. Sauf si c'est un testament notarié. C'est un testament, évidemment. Ah oui. Tu peux rien faire. Tu peux biaiser, tu peux ne pas payer, mais bon, ça ne coûte rien. Ça coûte moins cher qu'une tombe. Je crois que c'est pas pour la motivation, c'est pas l'argent. Bon, c'est des gens. Bon. En tous les cas, la Gemara elle dit. Tout ça, la Gemara elle dit tout ça. Pourquoi la Gemara elle dit ça? Parce que la Gemara elle dit, on a dit qu'on a allégé. La Gemara elle dit, tu n'as jamais allégé. Ça n'a pas commencé le deuil, il avait le droit. Le Khatan qui a épousé la Kala. Il venait à Kvoura. Ben oui, puisque le père n'a pas été enterré, il avait le droit de se marier et d'être avec elle. Alors, c'est pas qu'il avait le droit de se marier, parce qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit normalement. Non, il est sorti de la mort. Comment? Hein? Il n'est ni sorti ni sous terre. Oh, la Gemara dit c'est une Koula ou c'est pas une Koula? Ou pas tourmer la mitzvot. Même s'il veut. Il faut savoir qu'un Onen, même s'il a envie de dire Birkat Amazon, il n'a pas le droit. On lui dit mange sans Birkat. Alors, comment il se marie? C'est une mitzvah? Non, c'est un accessoire de mitzvah. Attends, il y a une date. Alors, on peut faire juste qu'il nous fasse un cadet chotard. Mais il ne veut pas. Il y a des plats, ils ont engorgé. Un cas extrême, mais. Oui, disons la personne. Il n'y avait pas de congélateur à l'époque, il n'y avait rien. Un cas extrême, non? Disons la personne, elle meurt en France. Ils veulent le répatrier en truc. L'avion, il tombe. Ah, il tombe. Ah, il est dans la mer, en fait, la Shkava. Oui, il est entouré dans la mer. C'est quoi la question? Alors, qu'est-ce qu'on. Tu n'as rien à faire. Non, tu poses une autre. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Alors, il a raison. T'es plus en deux. Non, mais il a. Il n'y a pas moyen de récupérer. Non, moi je pensais que tu voulais mieux demander. Il y a une autre question à poser. Il y a une autre question. Rahman al-Islam. Les gens, quand on leur a annoncé
qui savent que la famille, que les défunts ils sont morts. Depuis quand ils font Shiva? Il n'y a pas d'enterré, ils ne sont pas enterrés. C'est là les gars du 7 octobre. Ils sont combien de temps ils vont être honnêtes? La Gemara a dit quand on a arrêté de chercher, ils font Shiva. Quand quelqu'un ils ont cherché dans la mer, il est rentré dans un lac. Porté disparu. Combien de jours on cherche? Un jour, deux jours, trois jours. Combien de temps ils vont chercher le corps pour aller l'enterrer? Du moment où ils vont arrêter de chercher, la famille est spéciale. Alors pourquoi la femme elle est à Gouna? Non, même dans un lac, j'ai dit. Pas la mer, un lac. Un lac, il doit être quelque part, il est obligé de flotter. Ça s'appelle même chez Eshlaim, sauf il y a une limite. Un lac, la femme elle est autorisée. Quand j'ai vu quelqu'un, il est rentré dans un lac. Je regarde tout l'endroit. Pendant 10 jours, tu tournes. Et on voit qu'il ne sort pas. On peut aller témoigner que sa femme est autorisée. La mer, non, la mer, non, parce que la mer, un homme, il peut rentrer dans une vague et il peut sortir quelque part d'autre. Mais un lac, il est obligé de sortir du lac. Quand est-ce qu'elle fait la Shiva si c'est la mer? Si c'est la mer du moment où on a arrêté. Non, la mer, on la laisse pas faire Shiva. Parce qu'elle n'est pas autorisée. Si elle va faire Shiva, elle va croire qu'elle peut se marier. On la laisse pas. Et la Gemara, elle dit s'ils ont construit une tente d'endeuillé, le Bedin, il envoie pour casser la tente. Elle est bloquée, en fait. Elle est bloquée. C'est pas pareil, la mer. Porté disparu dans la mer, c'est Aguna, toute sa vie. Tant qu'il est. Ouais. On ne sait pas. Parce qu'un jour ou l'autre, le corps peut apparaître sur une île quelque part. Le corps. Ou alors il est. Non, on parle. Si on a vu tout l'endroit, un homme, il y a une limite à ce qu'un homme peut nager. Ça veut dire. Il ne peut pas s'éloigner de tes yeux. Si tu as vu quelqu'un, l'eau allait non. Tu as vu quelqu'un qui est rentré dans la Kinérette. Il a fait une plongée. D'accord? Il n'a pas de schnorkel, il n'a pas de bombe de... Comment? Mais je veux le voir à 100 mètres, je le vois. Il est parti, il a fait 100 mètres, il est allé sortir de la... Il ne peut pas faire 100 mètres, tu dois le voir. Tu dois le voir. Non, pas sous l'eau même. Il s'est cassé, personne ne... Comment? La mer, j'aurais dit plus. Adraba, la Gemara, elle dit, « Maïm sheyesh lahem sof, tout endroit, tout petit lac, ruisseau qui a une limite, si la personne n'est pas sortie, il est forcément mort. Combien de temps un homme il peut rester dans l'eau? Par contre, dans la mer... Il y a des vagues qui viennent que tu ne peux pas voir. Là-bas, ce n'est pas une certitude qu'il est mort. Alors, dans la mer, on ne peut pas témoigner. La Gemara raconte avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est arrivé. Rabbi Akiva, ils ont dit à sa femme, tu peux te marier. Et Rabbi Akiva est arrivé. 20 ans après. Et il a dit, je ne me suis pas 20 ans, quelques mois après. Il a dit, j'ai attrapé une... Il a dit, le bateau est ton... Et Yona, dans la baleine, s'est marié sa femme? Mais non. Ouais, bah alors. Et ils ont dit, hein? Pour le 7 octobre, comment ça se passe? Comment on fait pour le 7 octobre? Alors il a fait, or. Maintenant, pour le 7 octobre. Rabbi Akiva, on n'a pas fini. Non, alors Rabbi Akiva, il a dit, j'ai attrapé une branche. Il s'accrochait. Et chaque vague qui venait, je me tenais pas contre la vague. J'allais avec la vague et ça m'a sauvé. Chachamim, quand ils ont vu ça, ils ont dit, comme Agdolim dit vrai Chachamim, ils ont remis l'interdit sur Maïm chez Enlaïm Sof. Une mer, il n'a pas de limite. Le grand rabbin d'Istanbul, il s'appelait Rabbi Chaim Peretz, il a autorisé une fois une Agouna que son mari s'est noyé, il y avait deux témoins, des goy, il a autorisé, il a écrit un psaque, elle s'est mariée. Elle a eu deux enfants. Et le mari est revenu. Voilà. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Voilà. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il est parti, il s'est suicidé. Il s'est noyé? Le Rav, il s'est suicidé, il s'est jeté au Bosphore. Il est enterré dans le cimetière à Istanbul. Avec une barrière auto parce que c'est suicidé. Il était léger, trop léger pour accepter le témoignage. Il n'a pas creusé bien comme il fallait. C'est pas évident. La Gemara dit que même quand le témoin il témoigne. On peut se tromper. On peut. Madame Misken, il était sensible pour elle. Mais regardez, ça peut arriver. Maintenant, le 7 octobre. Alors, son mari, vous laissez chacun sa femme. Le 7 octobre. Mais madame, que le 7 octobre. Toutes les femmes, elles sont à goudotte. Tu sais pas. T'as pas une certitude qui c'est qui est mort, qui c'est... Mais maintenant, mais même ceux-là qui sont morts. Par exemple, on a vu des vidéos qui ont été tués. Tu vois qu'ils tirent, qu'on tire un corps. D'accord? Tu vois qu'on tire. C'est ok. Non, c'est même pas ok. Tu sais pas s'il est pas évanoui. Ah oui. Ouais. Mais tu vois qu'ils ont tiré. Ils n'ont pas fait Shiva jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas fait Shiva. Parce qu'ils n'ont pas dans le doute. Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont rien. Ah, parce qu'on continue. Parce que là aussi, on continue à chercher. D'accord? Mais ils ont un éther spécial. Comme on cherche, ils ne peuvent pas non plus casser leur vie. 11 mois. Mais ils n'ont pas fait Shiva, les pauvres. Parce que toujours on pense qu'on peut récupérer. On peut récupérer par des soldats. Tu as vu, les soldats, ils ramènent des corps. Ils ramènent des...
Chez Mishmor. Non, mais il ramène un petit morceau de cerveau. Zélo Mishané, mais même, c'est Khayav Gvoura. Et c'est là où il franchit va. Du moment où ils ont quelque chose que tu peux enterrer, qu'il y a. Regarde le gosse qu'on lui a coupé la main, là. Voilà, il est resté. Ils vont voir qu'il était mort, ils l'ont tué seulement. Ils l'ont tué que. Dans le tunnel. C'est pas évident, c'est le pachoute, c'est pas évident du tout. Goldberg, ceux-là, voilà, ceux-là, on peut pas faire Shiva. Pourquoi? Parce que là, il tient à chou. Alors, la Gemara a dit que l'opinion de Rabbi Eliezer, il dit, Hatshe yitse min habayit. Rabbi Yoshua, il dit, Hatshe yisateh magola, la velout, elle commence, que. Quand tu as couvert. Et alors là, la halakha, non, la halakha, c'est Hadji Satem Magolal. C'est plus facile, ça. Non. Non. Il n'y a pas de doute. Il y a pas côté de... Alors, la Gemara, elle dit. Non, quand tu mets la terre, en fait. Oui, oui. Alors, la Gemara, elle dit, alors, c'est quoi la Kula? Il n'y avait pas de Kula? Il avait le droit d'être avec elle. Puisque la Kala, elle était avec son mari avant qu'ils aient enterré le mort. Il était où le problème? Il n'y a pas de Kula? C'est pas une Kula? C'est le din. Alors la Gemara a dit, elle a dit Katane, oui, il y a une Kula. Comment tu laisses un homme fêter pendant les 7 jours, Shiva t'aimé à Mishte, après un deuil, il y a une Kula. Oui. Elle a dit Katane, Noé, Shiva t'aimé à Mishte, Margan, Noé, Shiva t'aimé à Velout. Amar mort. Mort, il dit, Benkar ou Benkar, dans tous les cas, qu'ils soient endeuillés ou qu'ils ne soient pas endeuillés, il n'y a pas de première relation, ni Erev Shabbat, ni Motsé Shabbat. La Gemara a dit pourquoi? Bishlama BRF Shabbat, je comprends. Ok, elle est vierge, tu ne veux pas la blesser. Rabouha. Et la Motsai Shabbat, pourquoi Motsai Shabbat non? Amaylo. Tu penses tout Shabbat, ça? Amarabizer à Mishum. Elle va au Mikvé et quand alors? Non, elle est partie au Mikvé avant le mariage. Mishum Cheshbonot. À l'époque, les gens, ils avaient une fête de copains. Ça veut dire, ils fêtaient la virginité de sa femme. Hein? Oui, ça, voilà. Non, pas l'enterrement. Non, le garçon. Le garçon, il faisait une fête. Non, le garçon. Non, aujourd'hui, c'est encore quelque chose. Non, aujourd'hui, c'est de la folie. Aujourd'hui, ils font n'importe quoi. Non. Aujourd'hui, ça veut dire il pleure. Il fait la fête qui finit sa fête. Là, il faisait une fête parce qu'il a trouvé qu'elle est vierge. Les Géonim, ils avaient, même à l'époque, dans le Ham Israël, ils avaient fait une bracha. Ici, que la noix, elle n'a pas été cassée avant. Asher Tzag et Gos Babeten. Et le Hida, il dit Mishum ni boule père, on l'a annulé. Bah ouais. Mais il faisait. Mais regarde dans la Ktouba des gens. Un homme pour une vierge, il donne 200 et pour une. Il donne 100. C'était très important pour eux. C'est-à-dire, c'était dans l'Orient. La culture, elle est restée jusqu'aujourd'hui chez les Arabes. Les Arabes, tu sais, qu'est-ce qu'ils payent pour faire des opérations pour remettre? Mais ils veulent mourir pour 70 comme ça. Non, mais c'est leur crâne. Alors les Juifs étaient influencés. Non, c'est vrai. C'est pas une Kdoucha. Oui. C'est un fantasme. Oh, alors il y a fait la Gemara, elle a dit si tu vas lui autoriser à se rapprocher d'elle, Motsaé Shabbat, il va faire la fête. Déjà, il va inviter ses copains pour tout de suite après. Et il va préférer des préparations Shabbat. La Gemara va poser quelque chose. Maintenant, on va voir Rashi déjà. Et après, on avance dans la Gemara. C'est pour ça qu'on dit. Ouais, il a fait. Alors, reprenez Rashi. Lo yivol be'ila rishona lo be'erev Shabbat. Pardon. Non. Rashi. Ah, on a fait tout. Golel, le dernier Rashi. Zéou Kisui chez Aaron Amet. Alors, nous aujourd'hui, on n'a pas de. C'est quoi le Golel? Aujourd'hui, le Golel, c'est les pierres qui mettent et la terre dessus. Ça, c'est le Golel. En Israël, il n'y a pas de Aaron Amet. C'est un cercueil, Aaron Amet. Sauf oui. Sauf les soldats. Mais même en Israël aujourd'hui, il faut le savoir, malheureusement, Ça coûte, il faut savoir que ça coûte très cher. Aujourd'hui, quand quelqu'un il a envie de faire une étiquette béton à la maison, ça coûte une fortune. Du béton, tu veux faire un mamad. Tu sais combien ça coûte? Ça coûte. Maintenant, de creuser dans la terre. Non, mais ce qu'il y a en Israël de problématique dans le Sharon, par exemple, tout est dynamique sous la terre. Tout bouge. Quand il pleut, tout bouge en bas.
Le vrai problème, quand ils ont rendu Gouch Katif, on était parti avec la Khevra Kadisha pour enlever les morts, parce qu'ils ont même déterré les morts. C'est là-bas où Sharon il a eu la Xéra. Il fallait aller déterrer les morts parce qu'ils ont rendu même les cimetières, ouais, t'imagines, ouais. Donc on est parti là-bas, la Rabanout, on est parti pour enlever des. Quand on a creusé dans les tombes, il n'y a pas le mort, c'est du sable là-bas. Tout bouge. Les morts, ils ont bougé 2 mètres. Wow, incroyable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une selle en béton. Aujourd'hui, non, ils font pas de selle en béton. Malheureusement, parce qu'il y a beaucoup qui trichent. Quand la Khevra Kadisha aujourd'hui, elle paye de l'argent. Elle paye à un kablan, d'accord, de Matzevot. Par exemple, à Ranana, vous pouvez voir, chaque fois, regardez quand il y a les enterrements, allez regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Ils mettent une plaque de béton en haut qui fait 15-20 cm d'épaisseur. Il y a un carreau, il y a un carré. Il n'y a rien du tout, tu creuses dans la terre. Ouais, pour aplatir, ils mettent du fer, ils creusent, ils ont comme un cadre comme ça qui tape, et ils creusent et ils vident. Ils creusent encore, ils vident, ils creusent, ils vident, ils creusent. Mais comment ils rentrent? Il n'y a pas de béton. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en bas, quand ils arrivent en bas, ils mettent des couches, comme des couches de plâtre, comme une armoire. Ils mettent le défunt et ils mettent dessus des briques. Et c'est des briques de béton comme ça. C'est pas du béton. C'est pas du béton. C'est du béton avec du calcaire. Maintenant, la loi, elle leur demande du béton qui résiste minimum 35 à 40 ans. Après 30 ans, ça se casse. Un calcaire, ils mettent le calcaire parce que le calcaire, c'est le seul plastique qui résiste plus que tous les plastiques, qui se décompose le moins vite. Vous savez que les calcaires, les boîtes de congélation de poissons, ça, le liège en plastique, le polystyrène, c'est la plus grande catastrophe, ouais, point de vue écologique. Mais pour les enterrements, c'est bien. Alors, ils mettent des couches comme ça pour éviter que la terre, elle fasse bouger. Et donc, comme ça résiste, il y a ces parois en polystyrène, ça garde une sorte de stabilité. Mais il n'y a personne qui creuse. Sauf si c'est la tombe et les dents. C'est pour ça qu'à l'époque, les gens, ils allaient enterrer en Israël ou à Hébron. Pourquoi? Parce que c'est de la pierre, ça ne bouge pas. Les gens, ils allaient justement enterrer là-bas. Parce qu'ils voulaient que ça ne bouge pas, que le corps... Non, toute la terre, elle bouge. Tout. Ici, tout le cimetière de Klosner. J'aime pas dire ça aux gens. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, le polystyrène, c'est dans les 10 dernières années, 15 dernières années. Avant, tout bouge. D'où je sais ça. C'est-à-dire les immeubles qui sont construits à côté peuvent avoir des... Non, il n'y a pas d'immeuble à côté, mais ça bouge. Yeah. Ça, c'est dynamique, ça bouge de 1 mètre, 1 mètre et demi, ça peut bouger. Après 50 ans, ça bouge 1 mètre et demi. Oui. Arsina et tout, les construits sont de l'eau. Je vous dis, à Gouch Katif, on a trouvé des fois que la tête du squelette qui était là. Tout le reste était de l'autre côté. Tout a bougé. Tout a bougé en bas. Non, parce qu'à l'époque, ils enterraient sans. Maintenant, c'est ça, là. Bon, mais non, c'est une histoire. Les Chiliens, alors, c'est Golem. Rachid dit... Non, non, mais l'idée, c'est pour ça qu'en France, il faut savoir que c'est pas un Indien de Goïm. Pourquoi ils enterraient en France dans des cercueils? C'était avant la loi. Même il y a 100 ans, il y a 500 ans, 800 ans, ils enterraient avec des cercueils pour garder, justement... Mais on peut demander si on veut, nous, le cercueil. En Israël, ils s'entêtent à ne pas enterrer avec un cercueil. Et si on veut, nous. Il laisse pas. Ah ouais. Et de la pierre, un cercueil en pierre. Non, il laisse pas. Quand je travaillais à la Rabanout, il y avait une femme qui était partisane à Varsovie. Elle avait 90 ans. Elle venait tous les jours à la Rabanout, elle pleurait. Elle voulait qu'on lui donne un papier comme quoi on pourra l'enterrer dans un cercueil. Parce qu'elle a dit que quand elle était en Pologne, elle a vu la situation des corps quand elle ouvrait, elle déterrait, etc. Elle n'a pas envie que son corps il soit ballotté. Voilà. Donc elle voulait un cercueil. Le Rava Mar, il avait peur de lui donner l'autorisation pour que ça ne fasse pas un précédent. J'ai dit, Ravamar, donne-lui, laisse-nous tranquille, elle est en train de me saouler tous les jours. Donne-lui, il ne voulait rien savoir.
Elle a un bon argument. Moi, mais je la voyais, moi, je la voyais pleurer tous les jours. Je la voyais pleurer tous les jours. J'ai dit, va acheter une tombe où tu veux. Dis-moi où tu veux. Elle est partie. Elle a réservé sa tombe. J'ai appelé la Khevra Kadija. La pauvre, de la faire souffrir comme ça tous les jours. Je dis, enterrez-la avec la boîte des soldats. Parce que dans la boîte des soldats en Israël, il y a quelques troncs en bas. Et là, c'est là, Ora Tchara, je leur ai écrit, elle sort de la règle, cette femme, vu son passé, vu sa situation, on lui a donné le papier, elle était heureuse. Elle avait envie de mourir. Mais non. Non, elle m'a dit, je peux pas. Donc, elle me raconte. Question, pourquoi les soldats, ils font les mettre dans les boîtes? Parce que la situation. Des morceaux, des trucs. Ah, dans quel état on les trouve? Pas que les soldats, c'est les soldats et ceux qui sont aussi. Quand il y a des actes terroristes. Des actes terroristes, mais pas les accidents de voiture, par exemple, non. Pas entier, quoi, où il y a des... C'est un paramètre de l'armée. Le Rav Goren, il était chacham. Pour pas choquer les gens. Le Rav Goren, il était chacham. Il a mis ça. Il a dit, ça, c'est la règle de l'armée. L'armée, il n'enterre pas, même si la personne, il refuse le cercueil, il n'y a pas. Un enterrement militaire, c'est toujours avec un cercueil. Et on fait des trous. Oui. Non, il les travers avec les acteurs. Il est fait d'une manière. Ah ouais. D'abord, ça, c'est un cercueil très simple. Pas les beaux cercueils qu'il y a en France. Le problème en France, c'est que le cercueil, il y a du fer à l'intérieur. Oui, c'est quand il arrive en Israël, il est scellé avec du plomb et tu ne peux pas enterrer avec ça. Non, alors qu'est-ce qu'ils font en Perse? Oui, c'est un cercueil de transport. Mais même les cercueils, même en France, un cercueil, qu'est-ce qu'ils font? La Khevra Kadisha. En France, ils ont un cercueil qu'ils achètent avec du bois dans certains endroits fins. Et quand ils rentrent dedans, le flic, il prend 50 euros pour boire, il bouge la tête. Et là, les hommes de la Khevra Kadisha, ils donnent trois petits coups dans les endroits sensibles qu'ils savent, et ils percent le cercueil. À l'époque... Pourquoi d'après la halakha? Non, parce qu'il faut qu'il touche la terre, le corps. Qui a affaire à table et à affaire à tachou. Il y en a qui mettent de la terre d'Israël. Alors, nous, à l'époque, on avait fait quelque chose d'incroyable. En France, avec de la terre d'Israël, bon, ma grand-mère... Il y avait un gars ici, le pauvre, bon, Léni Zironol Vara. Il travaillait dans la Khevra Kadisha. Il a fini mal, le pauvre. En Bulgarie, mort, au Chenal, pendu, chez Michemon. Déjà, il n'avait pas un métier facile. Non, donc lui, il est parti, il a trouvé en Italie des gens qui ont fait des cercueils. Ça a été breveté, ça a été accepté par la loi française avec les organisations des Verts, du carton. Oui, j'ai vu ça. Qui se décompose. Et on a dit, on va faire mieux que ça encore, pour que les Juifs y posent dans la terre. Alors on a dit que même les Juifs qui sont dans les cercueils, sauf que le consistoire avait peut-être carré, je leur ai envoyé une lettre, j'ai dit, venez, on met de l'herbe, comme ils font en Israël. En Israël, tu veux mettre de l'herbe rapide dans ton jardin, ouais. Tu achètes des tapis d'herbe, un rouleau, avec la terre. On voulait mettre dans le cercueil, comme ça le mort, il pose sur la terre. Il est posé sur la terre. C'est une beauté. Non, tu mets un rouleau d'herbe dans le cercueil. Tu résous le problème. Tu le mets une heure avant l'enterrement. Il n'y a pas de verre qui vont sortir. Et... Bon, il y a plusieurs problèmes, mais selon Rashi dit que les Juifs, même les Juifs avant, où on trouve ça, il y a un témoignage, les Juifs de Provence, ils demandaient de prendre leur table du salon, le rabbi, et de faire de la table le cercueil. Le rabbi, c'est son bureau. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'il disait, cette table qui a accueilli des invités, de la Hachnasat Orim, et qu'il y a eu des pauvres qui ont mangé, c'est le plus grand témoignage pour Hachem. Donc, le Kadakemar, il dit que tous les Juifs de Provence, c'est ce qu'ils faisaient. Bon, en tous les cas, Rachid dit, c'est joli, les enterrements en France, ils ne sont pas selon la race, eux, ils ne faisaient pas, parce qu'ils avaient le caveau du mort, ils disaient que de laisser le mort dans la terre et de le couvrir, c'est pas le caveau du défunt. Il n'y avait pas assez de pierres, pas partout. Par exemple, en Turquie, ils faisaient un trou et ils construisaient avec des briques
directement, il faisait des briques comme ça dans les côtés, et il mettait les briques, il faisait une sorte de arc, une petite arc comme ça sur la... Comme les musulmans, un four à pizza, quoi. Il y a un peu de terre, il y a un peu de terre. Ils mettent de la terre. Ils mettent de la terre, mais la vérité. Les juifs en France qui sont enterrés dans les cercueils, c'est un problème. Alors, normalement, ils percent. Ils percent. Ils percent quoi ? Sans que tu sais, ils percent. Ah ouais ? Quand il faut rentrer en bas, ils percent. Ah ouais ? Ah, oui, il donne un coup. Et en France, celui qui met dans la terre, c'est pas la femme Kadisha, c'est les gars du cimetière. Non, ils s'arrangent avec dans les juifs, ils s'arrangent. Ça parle pas, mais il y a une compréhension, ils savent que c'est. Ils ont dû parler avant. C'est pour ça que les Arabes, ils n'enterrent pas en France, ils rapatrient en Algérie. Vous savez combien de fret, tout l'argent de... Non. Le rapatriement des morts. Tous les Arabes qui meurent en France, ils rapatrient en Algérie. Mais bon, ça, il y a des. Faire un bureau mais il y a plein de. Ben voilà, la solution contre l'immigration. Dans le cas où. J'ai envie de finir. Attends. Vous avez parlé qu'il y a quand tu enterres son truc. Et alors, dessous la terre, les os ils bougent et il y a la tête qui est d'un côté, les os du bras d'un autre côté. Mais aujourd'hui, non. Mais Triata Metim, qu'est-ce qui arrive avec ça? T'inquiète pas, Triata Metim, même avec un ADN, la personne il se lève. Même sans ça. Même quelqu'un qui a été brûlé au crématoire, il se lève. Tu crois que les gars de la Shoah, qui n'est rien resté d'eux, tu crois qu'ils vont pas se lever? Ils se lèvent. On n'a pas besoin de ça. Nous, c'est pour la Emouna de Triata Metim qu'on fait le geste. Mais même si quelqu'un il a été Rahman Al-Itsan, il a été dévoré par des poissons dans la mer, il n'y a rien qui est resté. Il y a beaucoup de symboles. Amar Adonai mi bashan Ashiv Metsulotiam Ashiv Ben Shinerayot. Je vais vous ramener des dents des liants, de la merde. Bon. Si il peut faire de l'ADN, alors il peut même sans l'ADN. Bien sûr. Bon, alors la Gemara a dit. Donc le Golel c'est qui suit chez l'Aaron. Alors la Gemara maintenant elle continue, elle aurait dit Mishum Cheshbonot. Amarle Abaye et il dit attends, j'ai pas compris. Mais c'est Mouta. La personne tu lui dis qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à sa femme Shabbat, tu sais, je vais inviter mes copains Mouta et Shabbat. Combien de plats il faut qu'on commande? Combien il faut que tu fasses? Alors la Gemara elle a pensé que quoi? Que c'est assour. Que c'est assour de parler du business, du commerce. Alors, moi, il dit non, Cheshbonot, Shelchol, Asur, mais Cheshbonot, Shel Mitzvah, Moutar. Maintenant, la question, est-ce qu'un mariage, c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Ktsat mitzvah. C'est pas mitzvah. Tu dis pas, Shaki Deshan, Mitzvah, Tavetzvah, Nou, Litraten. Tu dis, Shaki Deshan, Mitzvah, Tavetzvah, Nou, Allah, Arayot, Vassar, Lano, Vitir, Lano, c'est une bracha. C'est pas une mitzvah. Parce que le mariage, il va amener à ça. C'est pas le mariage, c'est même. Quand tu mets un talit, tu mets le talit, c'est sur toi. Mais quand tu fais quelque chose qui est un accessoire pour arriver à marcher à mitzvah. Mais ça s'appelle comme un mitzvah. Et la Gemara, elle dit comme ça. De là, il y a une question. Est-ce qu'on a le droit à cheshbonot chez le mitzvah? Tous les cheshbonot de mitzvah, moutarim. Si quelqu'un, il a une brit mila lundi, il s'assoit avec sa femme Shabbat, est-ce qu'il a le droit de parler combien d'invités on va inviter? Oui, c'est moutar. Ça s'appelle cheshbonot chez le mitzvah. Il y avait une grande question dans les poskim. Est-ce qu'on avait le droit de vendre à la synagogue les mitzvot? Parce que c'est cheshbonot. Le marge d'âme. Et ça a commencé chez les Sparades. Les Juifs d'Espagne. Avant, ça ne vendait pas. Après l'expulsion d'Espagne, ils se sont retrouvés les Juifs en catastrophe. Ils étaient pleins d'expulsés, il n'y avait pas de synagogue, il fallait remettre, donc il fallait vendre. Il y avait ça, il y avait les livres, les premiers livres du Talmud, ils cherchaient des abonnés. Tu sais combien ça coûtait à l'époque pour imprimer un livre? Tu voulais éditer, il y a un éditeur, il va éditer une Gemara. Maintenant, d'abord, il a très peur qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le copier. Il allait chez les rabbinim déjà. Il disait, j'ai un projet d'éditer Gemara Berachot. Le rabbin lui dit, combien d'argent tu as pour mettre? Tu as de l'argent? Tu es sérieux? Oui. Montre-moi le contrat avec l'éditeur. Quand tu lui as montré le contrat avec l'éditeur, il dit, combien de temps ça va prendre? Qui c'est qui va travailler avec toi pour bien éditer le livre?
Voilà, j'ai celui-là, celui-là, j'ai formé. Ils sont embauchés, ils sont payés, oui. Là, le Rav, il va lui donner un papier, un kherem, que personne n'a le droit d'éditer 10 ans, pour ne pas l'endommager. Après qu'il a eu tout ça, il a par exemple que 60% de l'argent. Il va chercher les abonnés. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les Shabbats, il passait dans les synagogues. Il dit, nous allons éditer Gemara Brachot. Le Rav dit, voilà, c'est important, si on veut que les enfants aient des livres, il faut que se mobiliser. Qui c'est qui veut acheter une Gemara? Il lève la main, le Rav, il compte combien de personnes. La Gemara va vous coûter une pièce d'argent à chacun. Vous allez me la donner. Donc, Shabbat, ça parlait comme du commerce. Qui veut s'abonner? Qui veut? Alors, le Maharajdam, il a dit, c'est Hilul Shabbat. Il a dit, non, c'est mitzvah. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de livre. Alors, ils ont autorisé. Ils ont autorisé. Combien? Hein? Non, mais... Mais il n'y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. C'était des situations... Il y a la vie de l'homme. C'était des situations incroyables, qui est compliquées. Hein? Il y a fait, alors ils ont autorisé. Ils ont autorisé des promesses de dons. Je peux vous montrer, après les choses, je vais vous montrer en Italie comment ils faisaient pour les dons. Ils ont un tableau en cuir. Ils ont un tableau en cuir. J'ai lu ça. Où ils enfoncent, il y a les chiffres, il y a le nom des gens. Et ils mettaient des. Pour savoir exactement combien ils notaient. Il notait, il mettait des cure-dents dedans. Il a les chiffres. Il a 1 euro, 2, 3. Je vais vous montrer, c'est incroyable. Combien ils ont vendu, combien de l'argent, qui c'est qui a acheté. Et il mettait des étiquettes et des trucs dedans. Et là, ça faisait vraiment. Vous savez que quand nous, on était enfants, vous vous souvenez ce qu'ils avaient dans les épiceries? Avec les cahiers. Non, pas les cahiers. Ah, des tournées comme ça. Non! Les bouliers. Les bouliers, oui. Ah oui, les bouliers. Voilà. Les bouliers. Quand nous, on était enfants, le les boulier... Les disais, les unités. Voilà, les bouliers, c'était moukté, c'était un jeu moukté Shabbat. Parce que le boulier, il était fait pour la caisse. Oui. Les bouliers. Il faisait tac, 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 et il notait. Et les bouliers, c'était moukté. Alors, comment ils ont autorisé? PMS, il y a beaucoup de rabbinim. Des boules que tu mettais comme ça pour faire... Et il y avait beaucoup de rabbinim qui ont... japonais. Il y a beaucoup de rabbinim qui ont interdit les ventes Shabbat. C'est une caisse. Il y a d'autres qui ont autorisé, ils ont dit sinon tu vas fermer toutes les synagogues. C'est vrai, c'est pas caché à 100%. Mais on dit, on compte sur Cheshbonot et Mitzvah. Alors, c'est combien ça va jusqu'où Cheshbonot et Mitzvah? Où on peut aller? Tu ramasses de l'argent pour, je sais pas moi, pour un tiyou, tu annonces des choses. C'est pas évident. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme si c'est moutard. Alors bon, il faut faire attention même dans ça, de ne pas exagérer. Pas exagérer avec ça. Il y a des limites à tout. Alors, Cheshbonot, alors regarde qu'est-ce qu'on a le droit. C'est dans le piyout Iruri Mutari Moulesha de Rabbanot Veti, donc les lames d'Ochef. C'est quel piyout? Comment il dit? Mayedidout. Mayedidout. Alors regardez. D'Amre Tarayu, Cheshbonot, c'est Mitzvah Moutar de Cheshbon de Shabbat. D'Amar Rabbi Elazar. Poskim tzedaka la'anim b'shabbat. On a le droit de faire la collecte Shabbat pour les pauvres. Vama Rabbi Yaakov, vama Rabbi Yohanan, olchim lebate knesiyot ou lebate midrashot lefakeach aliske rabim b'shabbat. On envoie des inspecteurs qui voient s'il manque des choses et qui c'est chol. Va là-bas, fais ceci. Vama Rabbi Yaakov, aridi, vama Rabbi Yohanan, mefakrim pikuach nefesh b'shabbat. On enseigne toutes les règles. Le pikuach nefesh à Shabbat. Comment réanimer quelqu'un, etc. Et Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rav Yonatan. Olchim le tartiaot ve le karkiaot. Ils allaient au cirque et au théâtre pour les juifs non religieux. C'est-à-dire, si moi maintenant, je vous donne une halakha très intéressante. Il y a des gars, ils font la Nova Simchat Torah. On est un état religieux, mais bon, on ne fait pas des pénalités. Ils disent à la police, on a 2000 fêtards qui vont fêter pendant Shabbat. Ils vont fumer, ils vont se péter la tête. On a besoin de deux ambulances que vous mettez à disposition. Il nous faut des flics. Il nous faut... Maintenant, le responsable de toute la... C'est un religieux. Les soldats, les flics, c'est des religieux. L'ambulance, c'est un religieux.
est-ce qu'il a le droit de prendre sur lui et de dire tu vas là-bas pour assurer? C'est une vraie question. C'est une des questions. Bien sûr que oui. Attends, attends. C'est des frères juifs, même qui ne sont pas religieux. Mais non, c'est pour ça que je te pose la question. Je l'ai bien, j'ai bien mis le point. Ça veut dire, je te dis, il y a une manifestation. Il y a une manif Shabbat, des gens qui veulent faire une manif Shabbat. Pour le contre la Torah, pour le bus de Shabbat. Pour le bus de Shabbat. Maintenant, toi, tu es chef de la police, tu dois envoyer des policiers. Tu dois venir, toi. Eh bien, tu as le droit d'aller. David Adam doit être là. Pourquoi? De là, on vient. Le Rav Goren, il a amené de là un ishur très intéressant. Shabbat, à Tel Aviv, les feux de route sont tombés. Il fallait un technicien pour réparer. Ah, ils sont en panne. Ils sont en panne. Sans panne. Shabbat. D'accord. Et un technicien religieux, il dit Rabbi, qu'est-ce que je fais? Il dit va maintenant Shabbat pour réparer. C'est il a fait. Donc, dans tout endroit où il peut avoir. Donc, par précaution, même une manif, il va y avoir du monde qui vont pousser, peut-être. Ça va. Il peut y avoir des attentats, il peut y avoir des. Donc, dans tout endroit, d'après la halakha, c'est vrai. On n'a pas à faire. Eux, ils n'ont pas à faire l'endroit. Mais s'ils l'ont fait, il y a plein d'innocents là-bas. Alors, tout ça. Alors, moi, je dois envoyer les flics, je dois envoyer l'ambulance, je dois faire tout ce qu'il y a à faire pour. Ça rentre dans le picouard. Et j'ai pas le droit de dire, moi, je suis rabbin, j'ai pas le droit de dire, eh ben, ils n'ont qu'à ne pas le faire. Ils l'ont fait. Maintenant, moi, je vais les faire. C'est une halakha. C'est là, de là, on voit ça. Voilà, les gens, des juifs qui allaient au théâtre, au cirque, pour aller voir les hommes qui se battent avec les animaux. Et la Gemara, elle te dit, on a envoyé le Bedin, il a envoyé des gens pour assurer que tout va bien avec eux, en gardant leur santé. Là, c'est de là que. Oui. Les fakéa, haliske, rabim, beshabbat, pour faire tout ce qu'ils ont besoin. C'est le Torah du Tzibour. Beshabbat. Non, quand quelqu'un fait un malaise, il y a un risque là, il est réel. Là, il y a un potentiel risque sur certaines activités. Ah non, on peut anticiper beaucoup de choses comme ça. Bien sûr. Un État, c'est pour ça qu'un État, maintenant, entre nous, un État, il est obligé d'être laïque. Parce qu'il ne peut pas faire ses comptes. Parce que si tu mets un raf dans le chef d'État, il va tuer l'État. La Gemara, elle dit que Rabbi aussi, il a dit à ses enfants, n'habitez jamais dans une ville où le maire est rabbin. Oui. Il dit, il ne fera pas des parcs, il fera des synagogues. Il fera... Dans l'idée, c'est pas évident. Il faut savoir qu'un État d'Israël, il est obligé d'être Mechalel Shabbat. Moi, j'arrive pas à comprendre quand les gens ils disent on va prendre des remplaçants et des. Non. Et si tout l'État est juif? Et si tout le monde est religieux, on n'est pas Mechalel Shabbat? Tu es obligé, l'armée, elle est obligée de fonctionner. La police, par précaution. C'est-à-dire, si moi je suis Mitnadev, Aranana, au Mishmar Ezrahi, j'ai le droit de j'ai le droit de monter dans la voiture. J'ai le droit de monter, pas parce que je suis appelé. Pour éviter, pour amener un bitachon dans la ville pour que l'arabe ne croit pas qu'il n'y a pas des gardiens ici. Donc j'ai le droit, même si on ne m'a pas appelé, de monter dans la voiture, de faire des tours autour de la ville, de rouler vite, d'aller, d'arrêter, de monter. Je ne me pose pas la question. Malheureusement, il y a des rabbins, je pense, qui ne doivent pas être d'accord avec moi. Ah, moi, je sais pas, ça c'est ce que je dis toujours. Mahor Adonai, là, m'amène bien.